Une rose de Saint-Valentin, voilà. Au moins elle est éternelle. Et je peux te frapper. Bon, allez. Coucou les anges. Elle te dirait pas bonjour. T'as dit que je veux me la fermer. Je me la ferme. Oh, c'est beau la vidéo qui commence comme ça. Coucou les anges. Coucou les anges. Nous revoici dans une nouvelle vidéo. Et on a une petite annonce importante à faire, c'est que on arrête les vidéos le mercredi pour laisser place aux vidéos le samedi vers 18h. Ça sera encore à voir. On a décidé de faire un petit changement pour voir ce que ça pouvait nous apporter. Et du coup, on a décidé d'arrêter le mercredi et de passer ça au samedi. Ce sera peut-être mieux pour vous aussi. Voilà. Ou sinon, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Un petit haul. D'abord, abonnez-vous si c'est pas fait. Likez, laissez des commentaires. Appuyez sur la petite cloche qui est là. Donc aujourd'hui, on est dans une vidéo Saint-Valentin. Saint-Valentin. Parce que Saint-Valentin arrive très très bientôt. Oui. Cependant, quand j'ai fait les petits achats pour la vidéo Saint-Valentin, il n'y a pas énormément de cadeaux pour les hommes. Tu trouves aussi? Ou pas? Moi, je dis à Mélissa, j'ai voilà, j'étais dans le magasin, imagine, t'as un copain, qu'est-ce que tu lui offrirais? Et là, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on offre à un homme à Saint-Valentin? C'est bizarre quand même. Et là, papa a dit un USB, et j'ai dit, mais un USB pour un Saint-Valentin, c'est du ridicule. Et puis, il a dit, ouais, mais au moins, c'est moi qui le récupère. Ah, c'est comme ça qu'ils font les hommes. Bravo. Ben voilà. Alors, les premières choses, on va vous montrer des petits cadeaux qui pourraient quand même, c'est pas parce que Saint-Valentin, c'est quand même le couple. Du coup, la première chose qu'on pourrait quand même acheter, c'est les bongos. Il y en a plusieurs, il y a des bongos massage, il y a des bongos... Voyage. Voyage, petit déjeuner, restaurant. Donc ça, moi je me dis, c'est le cadeau idéal pour les couples, donc pour la Saint-Valentin. Voilà. Ou sinon, t'as une idée de quelque chose? Du chocolat. Voilà. Une boîte en cœur avec 18 chocolats pralinés. Qui dit Saint-Valentin, dit en premier lieu chocolat et fleurs. Mais de nouveau, c'est ce que je me dis, c'est pour les femmes. Enfin, chocolat non, mais les fleurs oui. Donc voilà, vous avez déjà le bongo, vous avez déjà la boîte chocolat. Alors moi, bon, vous savez, dans la vidéo précédente, j'ai reçu ça pour ma Noël. Mais je me suis dit, j'arrive jamais à retenir le nom, aromatiseur d'huile essentielle. Bon, pour les huiles essentielles. Donc imaginez-vous si vous êtes en couple et vous vous faites un massage et que vous mettez une belle odeur. Ça peut être chouette, voilà, massage à la maison, surtout maintenant avec le confinement. Ouais. Donc, et ensuite, bon, il y a des petits cadeaux qu'on peut s'offrir, comme moi. Je t'offre une jolie rose. Waouh. C'est une rose de Saint-Valentin, voilà. Pour moi, elle est éternelle. Et je peux te frapper. Bon, allez. Donc, ce qu'on va vous montrer, évidemment, c'est de... la bouffe. Voilà. Allez, vas-y, commence. J'allais te dire, fais attention. Je l'ai détruit. Et le prends par... Je l'ai détruit. À la base, donc, c'est un bâton avec un chocolat au-dessus que vous mettez dans le lait pour faire un chocolat chaud. Et la brise-fer, pour un chocolat chaud. Mais si, milk chocolate. Mais c'est du chocolat au lait. Elle a tout compris. Donc, c'est le bâton. Et logiquement, la fleur, elle est ici au-dessus. Ah, c'est même pas cassé, ça va. Oh, tu m'as sauvé la vidéo, là. Donc, c'est comme ceci. Mais c'est vrai que si tu le mets à l'envers, il va tomber. Hein. Mais de toute façon, ça doit fondre. Donc, c'est comme ceci. Mais oui, mais ça, c'est pas censé être avec dans le truc. Mais oh. Mais c'est le papier pour faire la rose. Après, tu l'enlèves, c'est du chocolat. Tu le mets dans ton mug avec plein de lait chaud. Et ça fait un chocolat chaud. Mais... si tu dois le mettre avec le bâton, comment tu fais tenir ton chocolat sur le bâton pendant que tu le mets dans ton café? Hein? Laisse tomber. Ouais, c'est vrai que... parce qu'elle... oh, bon. C'est juste du chocolat au lait. Qu'on mange que ça. Après, il y a mes chocolats Saint-Valentin préférés. Je vais te montrer. C'est un chocolat... tu ouvres. Avec un cœur rose dessus. Voilà mon petit Valentin. Mon amour. Lui il vient parce que c'est de la bouffe. Hein. Lui et Mélissa.
Une heure plus tard, elle ouvre enfin les chocolats. Tous les ans, elle s'en achète. Donc des petits cœurs avec... des petits cœurs avec un chocolat rose, c'est ça que j'allais dire. Un chocolat avec des petits cœurs. Un chocolat avec des petits cœurs roses. Et elle les aime bien. Ils viennent de chez Emma, donc vous pouvez les trouver. Mais je t'ai pas dit de manger dans la vidéo. Oh là 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 là. Ensuite, ce qu'on a trouvé aussi, c'est un petit bac. Un petit... C'est bien présenté. Avec des petites gaufrettes, du chocolat et des petites perles en bonbons. Ça, on n'a encore jamais goûté. Pauvre. Non, non, non. Donc voilà, vous pouvez présenter une belle table avec ceci, des petits chocolats et tout ça. Et alors, moi, j'ai trouvé un truc que j'avais jamais vu, une boîte avec du thé. Voilà, du thé pour les amoureux. Mais qu'est-ce que c'est? Thé floral. Green tea with flowers. Ça, ça peut aussi être chouette. Un petit thé, un petit café avec des chocolats, avec des biscuits. Mais décidément, à Saint-Valentin, c'est plus de chocolat et voilà quoi. Oh, sinon, on a trouvé un truc fun. Les spécial mugs, mais avec deux pailles. Pour les amoureux. C'est évident. Ben non, moi quand je suis tout seul, je bois avec les deux pailles. Mais quel est l'intérêt que tu bois avec une ou les deux? Tu vas quand même vider ton pot. Mais c'est plus cool. C'est plus marrant. Ben oui. Du coup, anecdote. Mon chéri m'a dit, ok, donc on se met les pailles. Et pendant que moi je prends la boisson, lui va souffler de l'autre côté. C'est dégueu. Ouais, c'est dégueu. C'est pas marrant non plus, mais on va tester ça. Je veux voir ce que ça fait. En fait, c'est pas vraiment dégueu parce que moi, j'aime bien souffler avec ma paille. Mais c'est dans ta boisson. Mais c'est toujours dégueu. Ah, c'est pas très, très simple pendant le Covid, ça. Moi, mon chéri, on est déjà mariés depuis des années, mais t'imagines, t'as un nouvel amoureux, il commence à cracher dans ton truc. C'est pas Covid. Bon, on met sur le côté. Vous avez rien entendu. À utiliser que vous êtes, si vous êtes amoureux depuis pas mal de temps. Hein. Pas les nouveaux. Franchement. Et après, mes chocolats préférés, les sucettes au chocolat. Celles-là, elles sont marrantes parce qu'à toutes les fêtes, ben, ils en font quoi. Ici, c'est un petit... Ouais. Un petit ourson. Un petit ourson avec un cœur. À Pâques, ça va être avec un œuf. Des choses comme ça, quoi. Et ça, ça vient de chez Casa. Ouais. Et sinon, ben encore... Vous les reconnaissez? On les a repris. Il y a encore quelque chose. Des chocolats. Ils sont trop, trop bons. Ils sont chez Casa, mais ils sont trop, trop bons. Ils ont pas fait long feu, hein, les autres. Combien? Deux soirées, même une soirée. Oui. Voilà. Là, vous allez dire, ceux-là, ils vont se... Bouffe, 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 quoi. Et alors, chez Abba Papi, je suis... Ah oui, ce que vous pouvez aussi offrir, c'est un joli parfum. Pourquoi pas? Moi, c'est le vanille coco. Mais il y en a plein, plein, plein d'autres. Toi, tu as framboise. Framboise fraise ou quelque chose comme ça. Il y a violette. Ouais. Plein, plein de choses. Donc, moi, dans ma tête, quand on dit amoureux, c'est chocolat, fleurs, parfum, massage. Donc dites-nous en commentaire si vous avez d'autres idées. Voilà. Et alors on a repris ici. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est acheter des petits confettis et les mettre un peu partout. Ou en brillant. Faire la déco sur la table. Oui. Tu parles pas beaucoup. Hein. Elle n'est pas amoureuse, donc elle ne sait pas ce que c'est. J'ai jamais été en couple, moi. Bah t'as le temps. Moi, tout ce que je fais, c'est bouffer vos chocolats. Eh, mais c'est vrai! C'est vrai en plus! Nous, on s'achète des chocolats en tant qu'amoureux et elle les prend. Ou alors, on pouvait acheter un petit pot avec une bougie. Ça aussi! Mais prudent! Il n'y a pas de bougie dedans. Mais non! Ça aussi, ce que vous pouvez faire, c'est une ambiance pleine de bougies, massage et tout. Mais prudent avec les bougies parce que ça brûle. Pour une chance. On s'en blague! Voilà, bah, je crois qu'on a tout. Hein. Et alors, un dernier petit truc que vous pouvez faire vous-même. Vas-y, maintenant, tu peux le prendre, le pot. C'est par exemple faire un pot décoré avec par exemple les... Ah, je sais plus, moi, les confettis. Et dedans, vous mettez tous les petits messages. Messages d'amour, voilà quoi, des citations, des poèmes. Et alors moi, mon idée, j'avais pris rose et rouge parce que c'est les couleurs de la Saint-Valentin. Oui. Et les petits bleus, à la limite, vous en mettez pour des petits moments spéciaux. Ça peut être chouette. Donc, une idée, par exemple, pour commencer maintenant, pour l'année prochaine, la Saint-Valentin. Vous avez 365 jours, donc il y a de quoi faire. Ouais, c'est une idée pour toi. Tu peux déjà commencer maintenant, comme ça, le jour où tu as un amoureux. Pas de petit copain. Ouais, mais prépare-toi maintenant. Voilà, en gros, oui, c'est tout ce qu'on avait. Hein. Oui. Donc, récapitulatif, Saint-Valentin, c'est quoi? Oui, je sais, il y a plein de bonnes choses, oui. Mais...
Donc récapitulatif, Saint-Valentin, chocolat, ah, bijoux. Un pot pour poisson. Mais non, cocooning quoi, voilà, massage. Des fleurs, des chocolats, un massage, un bongo, des bijoux. On peut offrir plein de choses en fait. Mais ça reste quand même une fête pour dépenser ses sous. Des amoureux. Ouais, parfois on peut être amoureux sans... Enfin non, un cadeau, ça fait toujours plaisir. Ben moi, à l'école, ce que je fais, c'est que pour la Saint-Valentin, j'offre un cadeau à mes amis. Ça, je comprends pas par contre. Ben entre oui. filles, s'offrent des sucettes. Ben enfin, oui. C'est l'école qui a organisé ça, les sucettes Saint-Valentin. Normalement, t'offres ça à ton amoureux ou ton amoureuse. Mais on n'a pas d'amoureux, alors autant s'offrir entre nous et être content. Et faire croire qu'on a un amoureux secret. Ah ouais. Bah oui, ceux qui sont célibataires aussi, bah ne vous empêchez pas pour acheter des chocolats ou vous faire des cadeaux. Hein. Y a ouais, pas d'honte à ça. Que ça, quand t'es le soir, tu pleures tout seul avec tes chocolats. Oui, j'imagine. Toi, c'est quand? Le 14 février. Bah oui, ça je sais. J'imagine le 14 février, nous en amoureux, on va être à la table, on va se faire un petit dîner. Et elle tout seule dans le fauteuil, bon amour. Ah ouais, trop fort. Je vais te planquer dans le divan avec tes chocolats pendant que nous on se fait un bon petit resto maison. Non mais je mange avec vous le resto. Ah non 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 non, tu nous laisses en amoureux. Donc voilà, plein de petites choses que vous pouvez vous acheter ou offrir. Oui. Et ne vous goinfrez pas trop quand même, hein, faut quand même tenir sa ligne. Mais sinon on espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. Et donc n'oubliez pas, la semaine prochaine c'est samedi. Ok? Vous serez là? Qu'est-ce que tu fais? Je vais le faire comme ça et puis... Vous serez là. Voilà, on vous fait plein de bisous. Et à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Bye, bye.